Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va dégauchir, mais sans dégauchisseuse à la défonceuse. Bien, pour ce projet, vous allez avoir besoin d'une défonceuse. Vous verrez, j'ai fait une vidéo sur celle-ci de présentation. Pas mal de matériel, des règles, une fraise à surfacer. Vous allez retrouver tous les liens dans la description, si celle de la vidéo, juste en dessous. Alors, la problématique, elle est simple. Souvent, on va recevoir des planches de bois ou des panneaux de bois. Elles peuvent être comme ceci ou complètement vrillées. On va arriver, on va toucher ici. Vous voyez là, elle est complètement vrillée dans ce sens-là. Donc nous, ici, on va fabriquer un support. Comme ceci, avec les règles, on aura un rail et on viendra fraiser sur toute la surface avec celle-ci.
Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu voir avec ce chariot, j'ai pu dégauchir cette surface. Je suis allé avec différentes profondeurs. J'ai commencé par 1 mm, 2 mm et je suis allé jusque 3 mm de passe. 3 mm de profondeur de passe, ça bouge pas avec la colle chaude. Nickel. Donc là, je vais décoller la planche. On va la retourner. Je vais vous faire voir qu'en fait, elle a vraiment une surface plane. Eh ben, la prochaine fois, je mettrai un peu moins de colle chaude. Ça colle bien cette histoire. Donc, vous voyez, ici, je retourne et ça y est, la pièce maintenant, je n'ai plus du tout cette forme de tuilage parce qu'elle était vraiment. C'est coupé à la tronçonneuse. Hein. C'est vulgairement que je débite ça à la tronçonneuse, comme ça à l'œil. Donc, du coup, c'est vraiment une surface qui est vraiment tuilée. Et ben là, comme vous pouvez voir, ça y est, c'est dégauchi de ce côté-là. Alors là, il reste deux solutions. Soit vous avez comme moi un petit rabot. Et hop, vous passez votre pièce pour la deuxième face. Ou alors pareil, vous remettez de la colle chaude aux quatre coins ici. Vous appliquez bien sur la surface. Et hop, vous aurez les deux surfaces parallèles. Ou alors d'autres méthodes, hein, vous mettez des vis comme vous voulez pour fixer cette pièce. Donc très simple d'utilisation, vous avez vu. Je prends ici le chariot que je mets de chaque côté avec mes deux petites poignées et j'arrive et je fais ma succession de passes. Donc voilà comment dégauchir avec une défonceuse et cette fraise à surfacer. Vous retrouverez les plans de ce chariot dans la description juste en dessous, ainsi que tout l'outillage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, enfin vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!